Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous approchons des fêtes d'Halloween et je vous propose à l'occasion de réaliser une petite sucette balette sorcière. Allez, c'est parti! Lorsque l'on fait des commandes. Donc il y en a de moins en moins souvent, mais enfin, quand j'en ai, je les plie, je les garde. Et je vais venir faire le petit balai avec ces papiers. Alors, il n'en faut pas beaucoup, ce sont des petites sucettes. Hop, on va récupérer un petit morceau de papier. Voilà, comme ceci. Je vais plier mon papier. Alors, excusez-moi pour le bruit. Il va falloir franger le papier sur à peu près la moitié. Donc on fait ça, c'est artisanal, on fait ça à vue de nez. Donc pour faire ceci, j'ai récupéré mes ciseaux qui me servent à couper le persil. C'est bien pratique, vous allez voir. Et on commence. Voilà, ça permet de faire des petites bandes bien régulières qui sont quand même bien fines et puis ça fait gagner du temps. Donc si vous voulez en faire, je sais pas moi, une quarantaine pour avoir une petite sucette à offrir à chaque enfant du quartier qui viendra se présenter chez vous le soir d'Halloween, eh bien voilà, ça permet de gagner du temps. Vous pouvez très bien le faire avec un cutter ou avec des ciseaux ordinaires. Voilà. Donc, j'ai fait mes petites franges. Donc, ça fait un petit peu, hein, on dirait un petit peu un paré. Ça fait un petit peu île paradisiaque. Donc là, je vais couper en deux, je vais pouvoir faire deux sucettes avec ça, hein, parce que ça sert à rien d'avoir trop long pour enrouler autour de la sucette. Donc vous pouvez, si vous n'avez pas de papier d'emballage et que vous voulez faire ce projet-là, je vous conseille de prendre du papier crépon, parce que c'est extensible aussi, donc ça donnera une certaine aisance pour pouvoir l'enrouler autour de la sucette. Donc là, je vais venir sur la partie du haut parce que et voilà, il va falloir l'enrouler. Donc je vais venir marquer des petits plis, un petit peu comme en couture. Je vais marquer des petits plis et pour pas que ça bouge, je vais venir agrafer. Alors dans le sens de la hauteur, je viens agrafer comme ceci. Et je mets mes agrafes bien en haut de manière à donner de l'aisance dans le bas du papier. Alors pareil, on agrafe, mais vous pouvez très bien coller. Alors si vous utilisez du papier crépon, cette étape ne sera certainement pas nécessaire. Bon. Alors je prends ma sucette. Hein. Et je vais venir me servir du manche pour faire manger la sucette, pour faire le manche du balai. Et je vais venir tourner autour mon papier avec mes petites franges. Voilà. Donc je vais prendre, moi je veux rester naturelle, donc j'ai choisi de prendre du raffia pour faire le petit nœud autour. Donc je prends un petit morceau de raffia que je vais venir nouer autour. Je vais faire plusieurs tours, hop,
Donc nous allons passer maintenant à la petite étiquette. Donc pour faire la petite étiquette, je vais prendre un papier. Donc là j'ai un papier crème. Je vais prendre un morceau de papier noir. Hein, vous voyez, j'avais déjà découpé les étiquettes pour ma première petite sucette. Donc là, je viens découper une étiquette festonnée. Vous pouvez la mettre ronde, hein, vous choisissez en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Ici, je viens découper un ovale. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mater l'étiquette crème sur l'étiquette ovale. Alors, j'ai cherché des petits tampons parce que forcément, l'étiquette étant petite, il me faut des tampons qui soient relativement petits. Donc j'ai sorti mon pad d'encre noire, un pad d'encre orange puisque j'avais une citrouille. Donc évidemment, la citrouille, ça s'y prête. Et je vais venir, alors je vais commencer par la citrouille que j'ai mise ici. Hop, allez, une citrouille. Je vais venir faire le petit visage de la citrouille. Hop. Et puis, j'ai le texte Joyeux Halloween. Et des petites chauves-souris que j'avais mis aussi. Voilà, on va en faire plusieurs. Bon, bah écoutez, ma petite étiquette est toute mignonne. Hein. Je pourrais éventuellement ancrer un petit peu les bords de mon étiquette, alors pourquoi pas avec du vert puisque ce sont les couleurs d'Halloween, hein, donc du vert ou du violet, enfin une couleur qui rappelle ce que l'on utilise pour Halloween. Alors je vais venir, hop, prendre un petit peu de vert. Voilà, et je viens coller mon étiquette. Voilà. On a ma colle à sécher. Voilà, donc mon étiquette est collée. Je n'ai plus qu'à faire un petit trou pour pouvoir passer. Alors, soit le bâton de la sucette, hein, si vous voulez mettre directement dans le bâton de la sucette, soit moi je vais passer dans le petit lien. Alors voilà, si vous faites un repas pour les enfants, pour Halloween, eh bien vous pouvez très bien utiliser l'étiquette pour mettre le prénom de l'enfant au dos et puis vous en servir comme marque-page, comme marque-place, comme ça, à table. Vous pouvez autrement les ranger tous dans une panière et puis lorsque ça sonne à la porte, eh bien vous pourrez offrir une sucette à chacun des enfants qui se présenteront. Je vous assure
que ce sera succès garanti. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, qu'il vous donnera envie d'en préparer pour les fêtes d'Halloween. Je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est déjà fait et d'actionner la cloche pour ne pas manquer mes prochaines notifications. Allez, et Halloween est bientôt, mais c'est pas fini, il va y encore y avoir de nombreux petits tutos de proposer. Kenavo à tous !